Et voilà. Ja, ich höre. Johannes, tu m'entends? Oui, très bien. Ok. Voilà. Je parle bien. Bonjour tout le monde et bienvenue. Ok, bonjour tout le monde et bienvenue sur notre Fujifilm. Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre Fujifilm GFX 100X webinar. Je suis ex-photographe Johannes Tsouloulis et ensemble avec ex-photographe Piet van den Einde, on vous présente le GFX 100S et le nouveau objectif, le GF 80 mm. Je suppose que vous connaissez Fujifilm entre-temps. On est fabricant de boîtiers de photos en format APS-C et en large format. Et je vais vous présenter le programme pour ce soir. Alors, on va commencer d'abord par l'introduction de Piet van den Einde. On va vous montrer l'exceptionnalité du gamme GFX et un petit mot sur le format des capteurs. Le GFX 100S plus ses caractéristiques plus le gamme de GFX. Le nouveau objectif de GF 80 mm plus ses caractéristiques plus les objectifs de GF. Et on, aussi les promotions de GFX. N'oubliez pas, vous pouvez gagner un workshop avec Piet van den Einde pendant ce webinaire. On va aussi vous montrer de behind-the-scenes vidéos de Piet van den Einde, Tom Musseu et Pieter Doop. Et on va faire des questions and answers. Aussi, on va faire live demo avec Lightroom et quelques images de photographie avec le GFX 100S. Les conclusions, annoncement du gagnant et la fin de l'émission. Et on a, entre-temps, on a quelques moments question answer pendant le webinaire. En bref, je vais vous présenter Piet van den Einde maintenant. Piet est mon collègue ex-photographe depuis déjà longtemps. Et Piet est un spécialiste dans la photographie avec des flashs surtout, photographie de voyage. Et comme beaucoup de gens, de personnes le savent, il fait aussi beaucoup de cours Lightroom et Photoshop. Piet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots toi-même? Ok, merci Johannes. Bon, je crois qu'il y a un truc avec ton... avec ton micro, que ton micro de ton iPhone, il reprend le son, et donc quand tu le mets sur la table, il y a beaucoup de bruit, donc essaye de peut-être faire attention à ça. Ok, en tout cas, bon, je dois changer d'écran ici, donc... Ben oui, je m'appelle donc Piet van den Einde, je suis un photographe Fujifilm depuis plus de 10 ans, je crois, ou environ 10 ans. J'ai un peu perdu le compte des années. Mais donc, j'ai commencé à l'époque avec le Fujifilm X-Pro 1. C'était mon tout premier boîtier avec lequel j'ai travaillé. Et j'ai commencé avec ce boîtier parce que j'aimais bien les photos de pouvoir voyager. Je voyageais beaucoup en vélo, en fait. Et donc, ce que je voulais, c'était dans ma trousse qui se trouvait sur mon volant. Je voulais avoir... à l'époque, j'avais un boîtier full frame, mais il n'y avait que de la place pour l'appareil full frame et un seul objectif. Et alors, plus tard, ce que je voulais, c'est mettre plus dedans, avoir un peu plus de flexibilité dans mes objectifs. Et d'ailleurs, je l'ai pris une fois avec moi, juste pour vous montrer comment je voyageais à l'époque. Il faut juste que j'allume mon petit XT200 qui se trouve ici en haut. Et voilà, donc si je mets ça un peu vers l'arrière et je fais ça, et comme ça, et alors je change d'écran ici. Je me sens un peu comme un DJ, en fait.
Voyons. C'est le. Ça devrait être ça, non? Voilà. OK. Donc, ouvrons ça. Je vais mettre ça de côté. 2 minutes, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc, ça, c'était ma trousse de mon vélo. Et je fais beaucoup aussi, je fais beaucoup de photographies de flash. Donc, ce que j'avais toujours avec moi, c'était un parapluie de flash. Et puis, donc, quand on ouvre ça, donc, ce que j'aimais bien à l'époque chez le système Fujifilm, c'est que je pouvais mettre à la fois mon X-Pro 1. Maintenant, c'est l'X-Pro 2 qu'il y a dedans, mais bon, c'est le même format. Deux objectifs, donc un sur l'appareil et un autre dans la trousse ici. Un flash. Donc, tout ça passait facilement dans ma trousse ici. Un transmetteur pour mon flash. Et encore mon imprimante Fujifilm Instax. Donc, tout ça passait dans le même espace où auparavant je pouvais mettre que donc mon appareil full frame avec un seul objectif. Donc voyons un peu quelques images que j'ai fait à l'époque avec ça. Donc, je vais faire le switch, faire ça. Donc, ce que j'aimais bien avec cet appareil, spécialement le Fujifilm X-Pro 1 avec son look rétro, c'est que c'était très facile de se rapprocher des gens parce que ça faisait un peu comme si j'avais trouvé cet appareil sur le grenier et qu'il était de mon grand-père d'il y a 100 ans parce que c'était le look très rétro avec les molettes et tout ça. Et les gens aimaient ça et c'était souvent aussi quelque chose pour débuter une conversation. Donc ça a été pris en Arménie ou en Géorgie, je ne sais plus, parce qu'on avait fait un tour en vélo de la capitale de l'un vers la capitale de l'autre. Et donc, les gens sont très conviviaux là-bas et donc, ils m'invitaient immédiatement à boire un coup et donc bon c'est ce que j'aimais à l'époque avec cet appareil-là très performant mais à la fois très petit. Et alors plus tard je l'ai aussi pris en Inde et alors à l'époque j'avais même deux caméras. Ça c'était aussi très sympa parce que les deux j'avais un X Pro 1 et un X et 1 ou X et 2, je m'en souviens plus. Et l'avantage d'en avoir deux, donc j'en avais un avec un 35 ou un 56 ou un 60 mm et l'autre là j'avais un objectif grand angle, un objectif zoom grand angle de 10-24. Et l'avantage d'avoir deux objectifs ou deux boîtiers, voire, c'est que quand il y a un type sympa et photogénique qui prend mon X Pro 1, j'ai encore un autre boîtier pour le photographier, comme ici aussi. Ici, c'est un autre monsieur qui a pris mon XC2 et donc ou XC1, je ne sais plus lequel c'est. Et là, j'ai fait la photo avec mon X-Pro 1. Donc, ça un peu pour expliquer comment j'ai commencé en fait mon histoire avec Fujifilm. Bien, Pete. Une question. Donc, tu as choisi pour le format compact de la X-Series, mais on te voit assez souvent utiliser un GFX. Oui. Pour quelle raison tu as fait ça? Ben, je sais que en premier lieu, ça peut paraître un peu contradictoire dans le sens que j'ai abandonné un système full frame pour aller vers le APS-C. Et donc, parce que pour moi, l'avantage, c'était que j'avais la qualité de l'APS-C ou du full frame dans un format APS-C. Et
Donc, c'était un avantage relatif quelque part que j'avais. Et je dois avouer que la première fois que j'ai commencé à travailler avec le GFX 50S, à l'époque, il y a déjà 5 années, où Fujifilm m'a donné un appareil, prêté un appareil pour aller en Inde et pour faire quelques photos avec. Et je me souviens que j'étais frappé par la qualité d'image et je me suis dit, bon, il faut que j'aie ça. Mais l'avantage reste, l'avantage relatif reste, c'est-à-dire que maintenant, je dispose, certainement avec le GFX 100S, je dispose d'une qualité d'image qui est nettement supérieure à un full frame, mais dans un boîtier qui est, spécialement avec le 100S, qui est pas plus grand que certains boîtiers full frame et même plus petit. Je le voyais sur une table il y a quelques jours et je le prenais pour un X-T4. On va le voir tout à l'heure, mais il est tellement compact que c'est vraiment incroyable qu'ils ont réussi à mettre tout ça dans un boîtier tellement compact. Voilà. Oui, et ensuite de ça, combien de fois tu combines les systèmes X ou GFX et GFX? Quelle est ton expérience avec cette combination si tu mélanges les deux systèmes ensemble? Je dois être honnête, je les combine très peu. C'est soit l'un, soit l'autre. Parce que si on les combine, bah, il faut avoir deux systèmes de chargeurs, plus avec le GFX100X, parce qu'il utilise les mêmes batteries que le X-T4. Mais par exemple, avec le GFX100 ou le GFX50, il faut avoir deux systèmes de batterie. Les objectifs ne sont pas interchangeables. Donc, moi, ce que je fais, par exemple, il y a avant le lockdown, j'avais un copain qui me demandait de photographier sa maison parce qu'il la mettait en vente. Eh bien, je sais que ça va aboutir sur ImoWeb. Donc, pas besoin de photographier ça à 100 mégapixels, l'image. Donc, j'ai pris mon X-T4, mon 1024 et j'ai fait une jolie série avec ça. J'étais en vélo avec le train. Donc, alors, j'ai choisi ça. Mais où je choisis le moyen format, les GFX, mais je combine très peu les deux. D'ailleurs, ça me fait penser que je veux peut-être vous montrer juste quelques images aussi des premières images que j'ai faites à l'époque, il y a 5 ans, avec les GFX. Donc, voyons. Ah, c'est ici. Ok, donc ça c'est ici. Donc voici donc quelques-unes des premières images que j'ai faites avec les GFX 150S. Ça c'était en fait encore avant d'aller en Inde et donc la résolution qu'on a, parce que moi j'aime bien faire des portraits d'environnement. Donc, ça veut dire que la personne, déjà, elle est assez petite dans le cadre entier. Et donc, la résolution d'un GFX 50 à l'époque m'aidait à quand même faire des impressions assez grandes. Même chose ici. Attends, ça doit encore charger en Lightroom. Donc, quand on voit le détail qu'il y a dans cette tête qui est peut-être un cinquantième de la surface totale de la photo, mais parce que j'ai ces 50 mégaoctets, ça, ou mégapixels plutôt, et ici il y en a un avec le 50R, même chose, donc de nouveau une photo assez un champ large de vue, mais alors quand on zoome dedans, on a quand même pas mal de détails partout. Voilà, donc juste pour vous montrer un peu ce qui m'a fait basculer au GFX. Et maintenant, tout ce que je fais en fait, c'est quand je fais des voyages, c'est toujours avec le. Avec les GFX à l'époque 50S, 50R, le 100. Mon dernier voyage en Éthiopie était avec le 100. Et je suis très content d'avoir maintenant le 100S parce que
c'est quand même beaucoup plus léger et beaucoup plus compact. Très bien. La plupart du monde connaît la différence entre la PSC et le format de large format du GFX, mais qu'est-ce que tu peux nous informer encore un petit peu plus sur la différence dans le format et qu'est-ce que ça donne en résultat sur les images qu'on fait avec ces appareils-là? Attends, j'ai un slide pour ça. Je le cherche. Oups. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Tiens. Ah, ici. Voilà. OK. Et voilà. Et... Voilà. OK. Donc, mes excuses pour ne pas avoir traduit le slide, mais il n'y a que deux mots en néerlandais dessus. Donc, à la droite, on retrouve le format APS-C qui, comme vous savez, c'est environ 16 fois 23 mm. Mais on ne doit pas penser que ça, c'est la taille la plus petite plutôt. Il y a encore moins grand, il y a le Micro Four Thirds. Et je sais encore à l'époque, quand je voulais changer de mon système full frame vers un système plus petit, plus léger, j'ai longtemps hésité entre le format APS-C et le Micro Four Thirds. Et je suis très content finalement d'avoir opté pour le APS-C parce que le Micro Four Thirds, il est encore la moitié du APS-C. Et à l'époque, et je trouve toujours, je trouvais que la qualité des images en haute sensibilité avec le Micro Four Thirds, c'était un pas trop en arrière vis-à-vis d'un appareil full frame. Donc, alors on a le full frame qui, toujours selon les fabricants des systèmes full frame, a toujours été positionné un peu comme le nec plus ultra, comme s'il n'y a rien de meilleur ou de mieux ou de plus performant. Et on sait bien que ce n'est pas le cas parce que rien que déjà le système moyen format de chez Fujifilm, c'est plus que full frame et voilà aussi le nouveau slogan marketing qu'ils utilisent, c'est More than full frame. Et il faut savoir que c'est environ 70% plus grand qu'un capteur full frame. Et ça, c'est important, je trouve, pour quelques raisons, parce que plus de pixels qu'on met sur la même surface, plus va souffrir la qualité d'image et parce que les pixels eux-mêmes deviennent plus petits. Tout le monde a déjà vu que, par exemple, mon smartphone, il a 12 mégaoctets, 12 mégapixels, pardon. Et mon appareil d'il y a 10 ans, mon appareil full frame, il avait aussi 12 mégapixels. Mais la qualité d'image, certainement en lumière basse, n'avait rien à voir l'un avec l'autre. Le full frame était beaucoup, beaucoup mieux. Parce que les pixels eux-mêmes étaient beaucoup plus grands, parce qu'il y avait 12 millions d'eux sur une surface beaucoup plus grande d'un capteur smartphone. Et c'est la même chose avec le GFX. Par exemple, un GFX 50 va avoir une meilleure qualité d'image qu'un capteur 50 mégapixels sur un full frame parce que les pixels eux-mêmes sont plus grands. Alors le son, là, il y a d'autres choses qui jouent. Par exemple, le capteur, il est rétroéclairé et ça veut aussi dire qu'on peut augmenter la qualité d'image même quand il y a 100 millions de pixels sur cette taille. Mais donc, ça a quelques avantages aussi en matière de plasticité de l'image. Ça donne un rendu un peu plus trois-dimensionnel et aussi la netteté de l'image. C'est bon, donc toutes ces raisons-là m'ont fait basculer, en fait, faire ce more than full frame. Très bien.
J'ai déjà reçu une question. Est-ce qu'on peut répondre ça Oui, bien déjà sûr. maintenant? Oui. Mais la question est la suivante. Vous évoquez le côté rétro de votre appareil au départ lors de vos voyages. Une des choses que je trouve primordiale, c'est un viseur de qualité optique d'équivalente. Une chose que je manque très fortement sur le nouveau boîtier GFX 100S, c'est le manque d'un viseur optique. L'idée d'utiliser un viseur numérique me bloque fortement, je dois avouer. Quelle est votre expérience, comparaison à faire? Très bonne question. Et là, je dois dire que j'ai les X Pro 1, les X Pro 2, j'ai les X100V, FS, je les ai eu tous. Donc, tous des appareils qui avaient un viseur hybride et qui avaient à la fois le viseur électronique et le viseur optique. Et je dois dire que franchement, c'est une merveille de technologie, mais honnêtement, je n'utilisais presque jamais le viseur optique. Parce qu'il y a même, il est très bon, mais il y a un peu de parallaxe déjà, donc parce qu'il n'est pas placé complètement, c'est pas un reflexe, donc il y a un peu de parallaxe. Et une fois, j'inviterai la personne à tester par exemple un X-T4 ou un GFX100S. Et pour moi, une fois qu'on est habitué à ce viseur électronique, on voit que les avantages. Et il n'y a que des avantages, comme par exemple le fait qu'on a déjà une idée de ce qu'on va photographier avant qu'on prennent la photo. Ça, on voit ce qu'on va faire avant de l'avoir fait. On voit l'exposition qu'on met. On voit par exemple, qui fait beaucoup de flash, je dois toujours faire une exposition de ma lumière disponible. C'est le premier pas. Donc, moi, je peux déjà prévisualiser ça même sans prendre une photo. Avec un reflex ou un viseur optique, il y a c'est pas possible parce que je vois toujours la réalité telle qu'elle est. Je ne vois pas l'effet de comment j'ai mis mes boutons sur mon image. Le fait que je peux revoir immédiatement après de l'avoir prise mon image, c'est aussi un très grand avantage pour un viseur électronique. Parlons de mise à point manuelle qui, parfois, avec un appareil comme le GFX, c'est important de pouvoir faire une mise à point manuelle quand on veut vraiment être sûr de la netteté et tout ça. Quand on a un objectif statique, pareil, un sujet statique par exemple. Et donc, l'avantage qu'on a chez tous les boîtiers Fujifilm qui ont un viseur électronique, c'est qu'on peut agrandir ce qu'on voit dans le viseur de 3 fois et de 10 fois, rien qu'en changeant la molette derrière. Et donc, on peut zoomer dans l'image de 300 à 1000%. Et donc, on peut faire de la mise à point hyper bonne qu'on ne peut pas faire avec un objet ou avec un viseur classique. Donc, franchement, ça me manque pas du tout et j'aime bien que c'est sur le X Pro 1 et X Pro 2 et je trouve que c'est une merveille de technologie. Mais si je l'utilise 5 fois sur 100, ça va être beaucoup. Donc, pas hésiter J'espère que c'est. pour se mettre dans le GFX parce que ça manque. C'est vraiment pas pour moi un manque, pas du tout. Oui, je peux confirmer ça parce qu'au début, je me suis aussi lancé dans le viseur hybride et le premier quelques heures, c'était un petit peu bizarre de trouver ça, mais on s'habitue très vite et comme tu as dit déjà, tu peux prévisualiser ta photo dans l'appareil même et ça, c'est un très, très grand avantage. Je ne sais plus aller en retour avec un viseur optique. C'est Oui, vraiment une merveille. comme tu as dit dans l'introduction, je fais pas mal de workshops et donc
Il y a de plus en plus de gens qui ont des appareils mirrorless dans les workshops. Mais donc, les rares fois que j'ai encore quelqu'un avec un réflexe digital, ben, je me sens. Il me dit, ça marche pas, est-ce que tu peux m'aider? Mais je me sens tout à fait perdu parce que c'est comme un pilote qui doit voler avec. Avec les volets fermés, c'est vraiment une très grande marche en arrière, je trouve. J'ai d'ailleurs à l'époque, j'ai fait un blog post à l'époque, les 5 raisons pour lesquelles il faut préférer un viseur électronique à un viseur optique. Peut-être, je ne sais pas si c'est en anglais ou en néerlandais, sinon on peut mettre un lien plus tard. Est-ce que tu peux montrer la comparaison des appareils ou bien en réalité le format, par exemple, Oui, est-ce qu'il y a bonne d'autres idée, formats bonne avec. idée. Attends, alors il faut que je change à nouveau vers celui d'Onoir. OK. Donc, ben, je vais commencer à. Je ne sais pas, en anglais, ça s'appelle un unboxing. Donc voilà. Les manuels, c'est la première chose qu'on jette de côté, littéralement. Donc voilà le GFX100S. Bon, le reste, c'est pas important. Ce sont les trucs pour charger, tout ça. Et alors, mettons-le à côté. Bien sûr, l'un a un objectif, l'autre pas. Mais donc, voilà la différence de taille entre le GFX100S et le GFX100. Quand, par exemple, vous voyez? Et là, j'ai un GFX100 qui est un peu boosté parce que j'ai une chose que je dois avouer que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y a le viseur qu'on peut. Comme ça, qu'on peut changer d'angle, mais ça le rend encore plus grand. Vous voyez? Donc c'est quand même une sacrée différence de taille entre les deux. Je vais plus tard, je vais chercher le 80 mm que j'ai quelque part ici aussi. Mais donc, quand on regarde le capteur. Voilà, il n'y a pas beaucoup de lumière qui tombe dessus, mais c'est vraiment assez 70% plus grand. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'écran LCD qui reste éclairé, même si le boîtier est mis sur off. On a le viseur électronique. On a le joystick. Le bouton Q, on a deux emplacements Capsule. pour carte mémoire. Et ce qui est aussi très bien conçu, c'est que donc l'écran, il peut s'orienter dans deux manières. Donc il peut aller comme ça pour faire des photos verticales, mais il peut aussi se tourner comme ça. Et alors il y a un. On peut le retirer un peu de sorte que quand on est vraiment comme ça, donc que le viseur ici ne bloque pas la moitié de l'image. Donc on peut le mettre comme ça, tu vois. Donc on peut toujours voir la totalité de son écran. Et alors ça, c'est une nouveauté. Il n'y a pas les molettes classiques de temps de pause et de ISO et tout ça. Mais franchement, c'est aussi une des choses que, d'un côté visuel, et j'aime beaucoup chez les X Pro et les X100 et tout ça. Mais côté pratique, franchement, ça ne me gêne pas trop parce que j'ai. La molette arrière pour changer mon temps de pose. J'ai la molette avant pour changer ma sensibilité. Et
J'ai sur l'objectif même, je peux changer moi, l'ouverture de l'objectif. Et l'avantage, en revanche, c'est que j'ai un bouton ici, mais qui a six modes de préférence personnalisés. Donc, c'est vraiment très puissant. Et j'ai aussi un switch séparé pour basculer de mode image vers mode vidéo, dont je d'ailleurs sais très peu vous dire parce que je suis photographe, pas vidéographe. Voilà. Est-ce que tu peux aussi nous dire quelques mots sur le stabilisateur d'image qui est incorporé? Ah oui, ça, bien sûr, c'est incroyable qu'ils ont su incorporer un stabilisateur d'image dans un boîtier pareil. Et c'est quand même un grand atout vis-à-vis, par exemple, d'un 50S ou un 50R. Par exemple, moi, j'ai. Ah, il faut changer de nouveau comme ça. Donc, moi, j'ai. À l'époque, j'ai acheté le 120 qui a un stabilisateur, qui a une stabilisation dans l'objectif même. Mais par exemple, le 110, que pour ma façon de photographier, j'aime en fait un peu plus. Je n'osais pas toujours l'utiliser parce que il n'était pas stabilisé. Et donc, l'avantage avec le stabilisateur intégré dans le boîtier, c'est que tous les objectifs deviennent des objectifs stabilisés. Et j'ai su faire, par exemple, avec le 110, où auparavant, je n'osais pas aller en dessous de 1, 2 centième. J'ai fait des photos tout à fait nettes à 1 trentième de seconde et voire 1 quinzième. Ce qui est incroyable avec un boîtier de 100 mégapixels. Donc, c'est vraiment très grand atout et ça peut stabiliser jusqu'à 5 stops. Donc ça fait une sacrée différence. Oui, merci Pete. Jorge, je pense que c'est Jorge, il a demandé une question hors Oui. de l'appareil, mais sa question était la suivante. Il faut voir là. Excusez-moi. Bonjour Johannes, bonjour Pete, merci beaucoup de votre partage de votre expérience. J'ai une question au niveau de la gestion des photos en archivage et post-production pendant les voyages. Qu'est-ce que vous utilisez comme disque et comme ordinateur, etc.? On peut répondre ça en bref? Oui, en bref, tu sais que j'ai des difficultés à répondre en bref, hein, mais bon, je vais essayer. Donc, ce que je fais, j'ai mon catalogue Lightroom qui se trouve sur un Solid State Drive, donc SSD portable de 2 teraoctets. Et donc, là, il y a mon catalogue là-dessus et j'importe toutes mes nouvelles images vers ce disque SSD. Puisque je fais aussi, j'ai un système de backup qui est de DJI Lassie. C'est un disque dur gris qui a un lecteur de carte et une batterie incorporée. Et donc déjà pendant la journée, je fais un backup de mes cartes mémoire sur ce disque-là. Et donc en fin de journée, je fais un deuxième. En fait, j'importe mes images sur ce Solid State Drive. Donc, j'ai déjà deux copies. Et je garde aussi la carte mémoire avec les images dessus. Donc, j'ai trois copies de toutes mes images. Et la première chose que je fais aussi, c'est de changer le mode de sauvegarde en raw, mais donc sans perte de qualité, mais comprimé, raw comprimé sans perte de qualité, parce que ça fait la moitié de la taille d'image et on perd pas de qualité. Donc, et en voyage, certainement, ça fait, et ça, c'est une grande différence. Oui. Une chose qu'on n'en a pas parlé, c'est de l'appareil est encore aussi temporisé. Ça veut dire qu'il résiste au temps. Ça, c'est aussi très intéressant pour les voyages, non?
Oui, très. Ben, je dois dire que j'ai utilisé ma GFX50 SR dans le désert de l'Afrique, dans le sable et la poussière d'Inde. Et jusqu'à présent, même j'ai photographié le festival Holi où on jette avec la poudre en couleur. Là, il était emballé dans un sac en plastique, mais quand même, j'ai jamais eu des problèmes de ce sorte. Donc oui, c'est un très grand avantage que c'est temporisé. Pas d'excuse de ne pas faire des photos quand il fait mauvais. Je viens de voir une question de Peter. Il veut voir le GFX100S à côté du XT4. Est-ce que tu as les deux appareils chez toi? J'avais pas prévu la question, mais je crois que je l'ai. Un instant, je vais le chercher. Je l'ai ici chez moi si tu veux. Je peux le montrer. GFX100S et le XT4. Alors, je dois à nouveau changer ici. Voilà. Donc là, je dois. Ça, c'est le XT4, mais avec le. Battery pack. Oui, donc il faut comparer des. Donc voilà. Je dirais qu'il est peut-être 1 cm plus haut, il est un peu plus profond, mais 1 cm plus haut peut-être, il est peut-être 2 cm plus large, même pas. Donc c'est vraiment. Une taille très comparable. Oui, et certainement, donc quand on va comparer les capteurs, bien entendu, là, tu vois, c'est presque 4 fois la taille, hein? Donc quand c'est 70% plus grand et d'un full frame, et un full frame est environ 2 fois ceci, donc c'est vraiment, oui. C'est pour ça que quand je les voyais d'une distance, je me disais vraiment, je les mépris pour un XT4 noir. Voilà. Oui. Je dois aussi dire que le GFX100, il reste aussi dans la gamme. Il ne va pas être remplacé par le GFX100S, mais il reste dans la gamme. Chaque appareil ça, a son Ouais. utilisateur. Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ce thème-là aussi? Oui, par exemple, moi j'ai le 100 et je suis en train d'hésiter si je vais m'acheter un 100S en plus pour avoir un boîtier de backup en voyage. Mais attends, une chose que j'aime beaucoup, donc pour moi le 100S. Bien sûr, je dirais que c'est un peu comme à l'époque le XT30 et le XT3. C'est-à-dire que le XT30 avait 90% des possibilités du XT3 à 70% du prix. Et c'est un peu la même chose avec le GFX100S. Il a 90% des capacités du GFX100 à voire 55 ou 60% du prix. Je crois que ceci, si je devais refaire le choix, peut-être que j'irais pour celui-ci. Mais je crois que cet appareil, le GFX100, il a sa place certainement en studio, par exemple. Des photographes qui font beaucoup de photos de portraits, parce qu'il y a quand même le grip portrait intégré, ça peut être important. Comme je disais, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que
l'option de basculer ici mon viseur. Et donc, par exemple, des gens qui doivent souvent photographier d'en bas, dans du plein soleil, ben, l'avantage, c'est qu'on peut mettre son œil ici et on a une très bonne vue de ce qui se passe. Bien sûr, il coûte beaucoup plus cher. Donc, je crois que pour la plupart des gens, le choix le plus logique et aussi question de taille, c'est sans doute d'investir plutôt dans le 100S et pour la différence de prix, on a deux objectifs. Et donc, je crois que pour la plupart des gens, mais si on est un photographe studio, je peux imaginer qu'on préfère, par exemple, quand le poids et l'encombrement n'a pas d'importance, qu'on préfère le GRX100. On a les deux et c'est l'avantage du choix qu'il y a. Donc, Parfait, très belle explication. Pete, avant de faire montrer les interactions qu'on a, est-ce que tu peux nous dire quelques mots aussi sur le Pixel Shift? Est-ce que tu l'as utilisé déjà? Non, d'ailleurs, parlant d'interaction, je sais que j'ai oublié. Je vais vite une fois montrer une ou l'autre chose. Donc, il y a un X-Story sur le sujet des formats des capteurs. Il y a un X-Story qui a été fait par notre collègue René Delbar et je vais juste montrer le lien. D'ailleurs, tous les liens, il va apparaître en bas de votre écran. Donc, si vous pouvez toujours faire un scroll en haut pour revoir l'image. De toute façon, il va disparaître dans une minute. Et tous ces liens, vous les reverrez à la fin de la présentation. Donc, si vous n'avez pas vu maintenant, pas de problème. Donc, ta question était sur le Pixel Shift. Je sais que ça existe et je sais que ça, en fait, ça double la résolution linéaire, donc ça quadruple la taille de l'image. Ça fait une image de 400 mégapixels. C'est le capteur qui, grâce au système IBIS, va faire, je ne sais plus, 16 images ou quelques, et qui va en faire une image de 400 mégapixels. C'est très beau pour tout ce qu'il y a de la reproduction d'art, mais la condition est donc que le sujet est tout à fait immobile, comme des peintures, des choses pareilles, peut-être des maisons, de l'architecture, mais alors il faut que le ciel ne bouge pas trop et tout ça. Donc moi personnellement, pour mon flux de travail, je ne l'utilise pas parce que déjà, 100 mégapixels, c'est vraiment déjà beaucoup, beaucoup. On peut imprimer facilement 2 mètres sur 3 mètres avec ça. Donc, j'ai rarement besoin de plus. On peut déjà beaucoup recadrer. Et mes sujets sont assez statiques, mais pas tellement statiques que je pourrais l'utiliser. Mais pour des gens qui en ont besoin, c'est bien sûr, c'est fantastique que ça existe. Magnifique. Je vais ajouter encore un lien. Là où vous trouvez encore des informations supplémentaires sur le Pixel Shift et tous les autres. Oui, ici, donc, il y a. Je vais vous montrer un lien vers le firmware update du Pixel Shift. Et là en dessous, je vais vous montrer le lien vers une vidéo italienne qui parle aussi un peu des avantages du Pixel Shift Multishot. Donc de nouveau, si vous voulez voir votre image, votre écran, il faut juste faire un scroll avec la souris vers le haut et les liens seront toujours là, mais ils ne seront plus en vue. Ok,
Entre-temps, Ioannis, qu'est-ce que tu as encore pour moi? Ici, on avait encore une question OK. d'une comparaison. Oui, Pardon? entre-temps, on avait. Oui, apparemment, il y a un lag dans le son. Non, Robert Kant demande une comparaison à faire peut-être avec les GFX 50R. À part le stabilisateur qui manque sur le 50R et la différence en nombre de pixels, la prise en main, l'utilisation pendant la prise de vue, du type reportage, etc. Quelle est ton idée? Tu as utilisé aussi le GFX Oui, 50R, je oui, suppose. oui. Je l'ai utilisé en Éthiopie, entre autres. J'ai fait une vidéo là-dessus. Peut-être qu'on peut envoyer le lien quand on envoie l'email avec la reprise du webinaire. Je dirais. Il y a, à pas oublier, il y a le système autofocus qui est nettement plus vite, et parce que le GFX 100S, tout comme le GFX 100, le capteur a des pixels de détection de phase, tandis que le capteur dans le GFX 50S et R, ce n'est que de la détection de contraste. Donc c'est un système qui est très précis, mais assez lent. Tandis que le système de détection de phase est le système qui est aussi utilisé dans les réflexes et qui est plus vite. Et donc c'est un système hybride dans les 100S. Donc quelque chose quand même à ne pas négliger. Autre différence, c'est que l'écran est orientable de trois manières, tandis que sur le 50R, que de deux manières. La résolution aussi, bien entendu. La vitesse avec laquelle on peut prendre des images, je crois avec le 50R, c'est 3 images par seconde. Celui-ci, c'est 5,5. Donc là aussi, ça peut faire une différence. Et ce sont les plus grandes différences auxquelles et le stabilisateur, je ne sais pas si la personne l'avait dit, mais la stabilisation de l'image qui fait que, comme je disais, n'importe quel objectif, comme mon 110 que j'aime beaucoup, et le 32-64, ce sont mes deux objectifs préférés. Tous les deux n'ont pas de stabilisation interne dans l'objectif. Et ça veut dire qu'avec mon 100S, ils deviennent en fait des objectifs stabilisés parce qu'il y a la stabilisation dans le capteur ou dans le boîtier plutôt. Donc, quand même un avantage à ne pas négliger, je trouve. Merci, Pete. Entre-temps, on a aussi une question de Roland. Voit-on vraiment une différence entre le 16 bits et le 14 bits? Je crois savoir que le 100S est en 16 bits. Je vais être honnête, je n'ai pas encore essayé. Déjà, je suis tellement époustouflé par ce qu'on peut faire avec un RAW classique qui est alors, je crois, 14 bits en Lightroom, que je n'ai pas encore trouvé la nécessité de. Et je peux vous garantir, je vais d'ailleurs montrer un exemple plus tard. Il y a des situations ou des cas où je n'hésite pas à mettre plus 2, plus 3 de stop d'exposition en Lightroom, accompagné de plus 50, plus 80 d'ombre en Lightroom. Donc vraiment booster la lumière, et même là, ça marche parfait avec les fichiers 14 bits. Donc, il faudrait que j'essaye une fois, mais je ne sais pas si ça vaut la peine, franchement. Je n'ai pas encore testé. Si c'est encore beaucoup mieux, ça serait vraiment révolutionnaire, parce que je trouve que c'est déjà tellement bon avec ce qu'on a de base. Oui. Sur le post-processing, quel type de software est-ce que tu utilises pour faire ton post-processing?
Et comment tu, est-ce que tu peux nous donner un petit peu un exemple de ta façon de travailler avec les Oui, images? ça va venir plus tard, à la fin du webinaire, je vais montrer ça. Moi, je sais utiliser Capture One, j'utilise Lightroom, je trouve que les deux, ça équivaut certainement avec les GFX qui ont un capteur Bayer. Donc, avec les autres, les X, il y avait un peu cette idée que sur certains types d'images, Capture One donnait un rendu meilleur que Lightroom, que je peux comprendre jusqu'à un certain point, mais ce n'est pas le cas, je trouve, avec les GFX, parce que c'est pas un X30, c'est un capteur Bayer classique qui est là-dessus, donc ou un film Bayer classique qui est là-dessus. Et donc, je l'utilise prépondérément Lightroom parce que j'en ai plus l'habitude et j'ai plus de pixels qui sont ou plus de presets et tout ça qui vont avec. Mais Capture One est un excellent choix aussi. Ok, bref, on peut dire que le rangé de GFX, c'est vraiment l'appareil que tout le monde peut utiliser, comme tandis les amateurs ou bien aussi les professionnels. Je pense bien que cette gamme-là peut servir tout le monde là, dans la photographie. Tu es d'accord avec ça? Absolument, absolument, oui. Et ça, ce n'est pas seulement les 100 mégapixels, tu sais. Moi, il y a très, très peu de fois où j'ai vraiment besoin de 100 mégapixels. Mais ça m'arrive, et alors, je suis content que je les ai. Mais aussi le fait de pouvoir recadrer, par exemple, de pouvoir faire un recadrage vertical d'une image horizontale ou l'inverse. On reste encore avec 50 mégapixels presque. Et aussi l'étendue dynamique, c'est peut-être pour moi encore une raison plus grande que rien que la résolution, parce que la résolution, il me la faut de temps en temps, parce que quand je fais des impressions à grand format, mais l'étendue dynamique que cet appareil a, ça, je peux l'utiliser tous les jours en Inde, en Éthiopie, où il y a plein de soleil, où il y a tellement de contraste. En Belgique aussi, sur une journée comme aujourd'hui. Donc, c'est là que je trouve qu'est peut-être encore plus l'avantage d'un appareil pareil. Et la netteté de l'image aussi, les objectifs sont fantastiques. C'est vraiment une joie à utiliser. Parfait, je pense qu'on a parlé assez sur cet appareil-là. Si on n'a pas de questions là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais je voudrais introduire aussi un nouveau objectif qu'on vient de sortir, le GF80. Attendez. Et Alors, autre unboxing. Voilà. C'est vraiment je me sens un peu comme le Père Noël ou un enfant ou le Père Noël vient de venir. Ça, c'est un objectif qui est très long attendu. Et je crois que pour beaucoup d'utilisateurs de GFX, c'est un objectif qui ne va pas manquer dans la trousse parce que, comme vous voyez, il est assez petit. Je vais une fois le mettre sur mon. Bah, pas mon, sur le GFX100S ici. Et donc c'est un 80 mm 1.7. Donc très lumineux. Et comme vous voyez, assez léger, ça on ne peut pas voir, mais aussi encore assez compact. Et donc là, c'est une combinaison. Ça correspond environ à
60 mm de 60, 64, 60 environ. Donc, une téléphoto assez courte, un peu plus qu'une focale standard, disons, qu'une 50 mm. Fujifilm a ça aussi, c'est le 63 qui est encore plus petit d'ailleurs. Mais très lumineux, très net et un très bel objectif. Oui, aussi temporisé. Donc, et un très bel objectif qui, quand il y a 5 ans, si on m'avait dit que il viendrait un jour où il y aurait un boîtier 100 mégapixels avec un objectif ultra lumineux de 1.7 pour les gens qui aiment donc la faible profondeur de champ, ben c'est tout comme le 110 f2, ce sont deux objectifs qui sont vraiment géniaux pour obtenir cet effet de faible profondeur de champ où les sujets sortent vraiment de l'arrière-plan. Oui. Pete, je suppose que tu viens de l'avoir maintenant avec l'unboxing, mais est-ce que tu as utilisé déjà une 80 mm ou bien, comme tu as fait la vidéo avec Peter, est-ce que tu peux nous dire ses expériences avec cet objectif? Parce que donc moi, je l'ai utilisé, mais j'ai fait quelques photos avec, comme on va voir dans la vidéo plus tard, mais celui des trois photographes dont vous allez voir les vidéos. Attends, je vais d'abord me mettre comme ça. Donc, les trois photographes dont vous allez voir les trois vidéos. Donc, de ces trois, c'est sans doute Peter Dope qui a déjà le plus d'expérience avec cet objectif et il adore, je sais. Donc, je vais une fois basculer en Lightroom et je vais vous montrer quelques-uns de ces images qu'il a fait avec. C'est un photographe culinaire. Donc, je vais passer à Lightroom à nouveau. Voilà. Ok. Donc, je ne sais pas si ce monsieur est très connu dans la partie francophone, mais il est hyper connu en Flandre et en Hollande. C'est Sergio Herman, donc chef 3 étoiles, enfant terrible de la cuisine, je dirais de la nouvelle ou de la cuisine de très haut niveau. Type très célèbre et très sympa aussi. Donc ça, c'est photographié avec le 80 mm. Et donc, regardez la netteté. Et je crois que c'est aussi grâce à nouveau à la stabilisation du GFX100. Est-ce que je vais une fois regarder quelle était la... 1250e, donc c'est pas vraiment... Mais tu vois, l'avantage qu'il a avec cet objectif hyper lumineux, c'est qu'il a pu, à ouverture 1.7, il n'a dû grimper qu'à ISO 320, et il a toujours su garder un 1250e comme temps de pause. Donc ça c'est bien sûr... un objectif lumineux, c'est pas seulement intéressant pour faire de la faible profondeur de champ, mais aussi pour garder un temps de pause très court et de ne pas devoir monter en ISO. Autre image, et là on passe aux images de food, et à nouveau, donc on peut vraiment jouer avec la profondeur de champ. Ici aussi, donc il a fait la mise à point sur les fleurs, donc pour des photos qui doivent avoir beaucoup d'atmosphère, c'est vraiment top. Quand je fais zoom dans cette image, je ne sais même plus où il a fait la... Ah, regardez, sans doute ici, regardez la netteté, hein, et déjà quelques centimètres plus loin, ça tombe vraiment dans une douceur. Donc ici la même chose, donc super beau.
Et donc, tout ça, c'est net. Et ça, je reviens à, pour des choses pareilles, par exemple, bien que l'autofocus, il est très bon, mais là, la profondeur de champ est tellement faible qu'il faut vraiment faire la mise à point manuelle. Et là, on a l'avantage donc de pouvoir agrandir ce qu'on voit dans le viseur électronique de 3 à 10 fois. Donc, on peut vraiment faire la mise à point, par exemple, sur cette pièce-là ou cette pièce-là, et on est sûr qu'on va avoir la mise à point là où on la veut. Donc ici, de nouveau, photographier dans nos. Donc, même chose, regardez, c'est peut-être 3 cm l'un de l'autre, mais il y a ce très beau dégradé dans la profondeur de champ. Et donc, voilà. Donc, vraiment un objectif, je trouve, à conseiller. Et aussi, d'un point de vue de prix, il est parmi les plus abordables des objectifs GF. Donc, voilà. Oui. Puis, sur le forum, il y a des gens qui disent que ce moteur, le moteur focal de l'objectif, est plus lent et il fait beaucoup plus de bruit que son frère, le GF110. Est-ce que tu sais dire quelque chose là-dessus? Oui, bon, c'est vrai que donc c'est vrai qu'il est plus lent, mais on a dû faire ça pour rendre l'objectif. N'oublions pas que c'est un 1.7 et donc il y a pas mal de verre là-dedans déjà, et pour garder l'objectif assez léger et aussi assez compact, on a dû choisir pour un autre type de moteur. Mais comme vous voyez, ça fait un peu plus de bruit, c'est vrai, mais ça n'impacte pas la performance optique de l'objectif, comme vous venez de voir dans ces images de Peter. Donc c'est quelque chose à quoi on doit un peu s'habituer, c'est vrai. Mais une fois qu'on a l'habitude et qu'on sait que c'est pas quand on le met pour la première fois sur l'objectif, et on sait que c'est une caractéristique de cet objectif, et c'est aussi une raison pour laquelle le prix est, je crois, un tiers moins cher que le 110. Donc, c'est vraiment un design qui est conçu comme ça. Et donc, une fois qu'on sait que c'est pas quelque chose qu'il y a une erreur avec l'objectif ou quoi, on s'y habitue. Oui. Est-ce que tu as encore un objectif de préférence ou bien un objectif que tu n'as pas encore et tu voulais en voir? Oui, il y a un que j'ai une fois testé et que j'aimais beaucoup, et je vais passer. C'est le 250, le GF250. Donc, je l'ai utilisé une fois pour faire des photos à Bruxelles avec un danseur. Et ce que j'aime bien, c'est la très grande compression que ça donne. Et c'est drôle parce que, de nouveau, Peter, lui, il aime cet objectif aussi. Donc, je vais vous montrer encore quelques photos qu'il a fait de nouveau du foot avec cet objectif-là. Donc, vraiment, la compression fait de sorte qu'on peut photographier de très beaux détails avec ça, et de vraiment isoler le sujet dans le cadre. Et aussi, c'est un objectif, comme tous les objectifs chez F, super net. D'ailleurs, les objectifs GF à l'époque, ils ont été déjà conçus quand il n'y avait pas encore question du 105, du 100 mégapixels. Ils ont déjà été conçus pour pouvoir marcher avec des appareils de 100 mégapixels. Donc, ça, je crois que c'est mon prochain achat. Et ça sera un objectif un peu de spécialiste. Je ne vais pas l'utiliser
toujours, mais c'est un peu comme à l'époque, si on avait sur le full frame un 70-200, que la plupart des gens n'utilisent que à 200 de toute façon, eh bien, c'est un peu l'alternative d'un objectif pareil, mais un prime alors 250 f/4, ça correspond à un 200 en full frame f/2.8 en termes de séparation. Très bien. Un grand merci, Peter. Je dois aussi dire qu'on a aussi des promotions, comme pour le moment, jusqu'à le 30 avril, 500 euros de bonus à l'achat d'un boîtier GFX 100S, quand vous rapportez un appareil digital full frame ou large format qui fonctionne, ou bien 500 euros de réduction sur le 3264, le GF45, le GF45-100, et un cashback sur quelques objectifs seulement pour les propriétaires de GFX. Ce sont des promotions qu'on a aussi dessus. Et on continue. On a une formule leasing de 0% pour le Fujifilm X-Series et le boîtier GFX. Et les accessoires, mais seulement pour les professionnels qui ont aussi un numéro de TVA active. Là, Je vais pendant ce d'ailleurs, je vais webinaire. montrer une fois ces informations, je vais montrer le lien pour les informations du GF80 1.7 et je vais aussi le lien pour la page des promotions. Et de nouveau, tous ces liens seront repris à la fin du webinaire. Oui. Alors, pendant ce webinaire, on a aussi quelqu'un qui va gagner un workshop, un one-on-one workshop avec toi pendant une demi-journée à la valeur de 499 euros. 499 euros, pardon. Ça va être Location Flash Photography avec Piet van den Einde. Est-ce que tu peux nous dire, donner un petit peu plus d'informations là-dessus? Oui, donc c'est un workshop en fait, je peux faire qu'une chose relativement convenable, et ce sont des photos au flash prises à l'extérieur. Donc, c'est un peu ma spécialité, et donc, ça sera un workshop sur ce sujet-là d'une demi-journée. Je ne sais pas encore si ça va être à l'intérieur quelque part, mais pas une studio alors, mais quelque part à l'intérieur d'un immeuble peut-être, ou à l'extérieur, ça dépendra du temps. Mais on va utiliser des flashs, des grands flashs, des grands flashs puissants. On va utiliser les GFX 100S. Et voilà, ça sera, je crois, une journée très intéressante et pour à la fois tester le 100S et quelques objectifs, mais aussi pour manipuler la lumière et pour comprendre pourquoi moi je suis tellement fan de travailler avec la lumière flash partout que je les emmène avec moi, même en Éthiopie et en Inde et tout ça. Et donc, on aura une très bonne idée de ce que ça va être en voyant ma petite vidéo tout à l'heure. Oui, je vais aussi dire que ce concours est seulement pour les spectateurs en live de ce webinaire ce soir. Hein, le gagnant Oui. sera annoncé à la fin du webinaire, plus on va lui envoyer une confirmation par email. Si vous cliquez sur le lien ou vous ajoutez Est-ce votre que je nom et adresse dois, email, j'ai pas encore, je dois donc mettre le lien maintenant, c'est ça? Donc, oui, tu peux je y vais aller. montrer le lien pendant 5 minutes. Donc, si vous Oui. voulez participer, vous avez 5 minutes de cliquer sur le lien et de remplir le formulaire. Et donc, 5 minutes, je appuie sur Start et donc participer et gagner. Ça, vous le verrez en bas de votre écran. Et donc, vous remplissez ce formulaire-là et à la fin du webinaire, le gagnant sera annoncé par Ioannis. Et donc, si le gagnant est Ioannis Touloulis lui-même, on va ch chercher un autre gagnant, bien sûr. Ou Paul Hamill, par exemple, parce qu'on connaît. on va voir. Alors. Voilà. Oui.
Jusque maintenant, on a eu quelques questions, la plupart des questions, mais je pense qu'on a répondu à toutes les questions jusque maintenant. Et Oui. mes collègues André et Paul ont aussi aidé pour les réponses. Peut-être que c'est le moment de voir le behind the scenes movie qu'on a fait. Bon, je vais vous dire, il y a quelques semaines qu'on a demandé à trois photographes, ex-photographes, Piet van Reyne, Tom Museeuw et Peter Doop, de tester le GFX 100S ensemble avec le nouveau GF 80 mm. On a leur demandé de faire quelques images iconiques suivant leur vision. Et bien évidemment, ils ont accepté cette challenge. Avec plaisir, on va vous montrer leurs expériences et le processus pour faire leurs images iconiques avec les GFX 100S. Peut-être que c'est le moment pour Oui. montrer ces vidéos-là. Oui, avec qui est-ce que je commence? Je dirais avec toi. Avec moi. Alors, OK. Ben, peut-être que je vois que il y a encore 3 minutes environ de temps pour Ah oui, remplir pour... le. Donc, ce que je vais peut-être faire entre-temps, c'est de montrer un peu aux gens. On a parlé des objectifs favoris et tout ça. Et donc, mon objectif favori, c'est le 32-64. Donc, entre-temps, avant ce que ça se termine, je vais peut-être encore vite une fois passer ici à montrer quelques exemples du 32-64. Et aussi, parce que Tom, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, son objectif favori à lui, c'est le 110. Et donc, pour ça, et Peter, c'est le 120. Donc, je vais vite encore montrer quelques-uns de ces photos-là, ces 15 photos en tout, et puis je passerai à ma petite vidéo. Donc, passons au full frame. Donc, pour moi, le 32-64, c'est vraiment un objectif idéal de reportage. C'est un objectif qui, en termes de full frame, ça correspond à un 25 à 50. Donc, ça va du assez grand angle jusqu'à un objectif standard, 50 mm en termes de full frame. Et ça paraît vraiment de capturer la vie et aussi encore un peu de ce qui est aux alentours des sujets. Donc, comme cette photo-là que j'ai prise en Inde. Ici, ça, c'est une photo de l'Éthiopie. On dirait Cuba, mais c'est vraiment l'Éthiopie. De nouveau, si on aime photographier des gens dans leur contexte, 32-64, c'est un objectif à ne pas manquer. Ici, c'est un endroit où ils fabriquent des briques, une fabrique à briques, près de Varanasi. Et donc là, pour revenir à ta question de poussière et de mauvais éléments, j'ai pris mon GFX 50 là-dedans et j'ai même changé d'objectif, je crois, et pas de problème. De nouveau, des choses pareilles. C'est peut-être un peu dans ce style qu'on va aller avec avec notre workshop one-on-one. C'est des portraits au flash. Qui ne sont pas faits dans une studio. Donc là, c'est mon objectif préféré, donc le 32-64. Alors celui de Tom, tout à fait autre style. Tom travaille beaucoup avec de la lumière continue. Et donc, son objectif préféré, c'est le 110. Et je dois dire, c'est mon deuxième objectif préféré, donc je l'ai aussi. Et si je serais limité à deux objectifs, ça serait le 32-64 et le 110. Regardez de nouveau la netteté du système. Et je crois que ceci, c'est encore une image qui a été faite avec le. J'ai pas les métadonnées, mais je crois que c'est du GFX 50. Donc le 110, objectif très, très cinématographique, je dirais, avec sa faible profondeur de champ à nouveau. Donc, et pour Peter, et alors on va passer. Donc, ça, ce sont ces photos qu'il a prises avec le 120. Et lui, il aime bien le 120 parce que c'est un objectif macro. Et donc, comme il photographie pas mal de food, et ce sont parfois des éléments assez petits, il aime bien avoir un objectif macro. De nouveau, quand on fait.
la mise à, je crois qu'il a fait la mise à point quelque part ici, ou peut-être là-bas, je ne sais pas trop, je ne vais pas trop regarder, mais regardez ici comme ça va du clair vers le flou, du net vers le flou. C'est vraiment quelque chose de très joli. OK. Le temps pour participer au prix est fini. Donc, ça veut dire que tout le monde est de nouveau attentif. Donc, passons à la première vidéo. Donc, c'est la vidéo alors que moi j'ai faite dans une usine abandonnée avec deux danseuses. Ik hou wel van het contrast tussen aan de ene kant een jonge, frisse, energieke ballerina en aan de andere kant het oude, versleten, rustieke, industriële verleden, zeg maar. En ik vind dat die twee heel goed met elkaar werken en ook de fijne details die je overal terugvindt, zeker met een camera zoals de GFX 100S, dat werkt gewoon prima. Iemand toevallig zo'n flashfootje mee. Ja, we gaan dat op gespeeld. Ik ben dus een geweldig frustreerde professor. Je zult dat wel merken. Ja, voilà. Ik werk graag met flitslicht omdat het de details in een foto nog extra tot uiting kan brengen. En ik verstop dan ook graag flitsers op de gekste plaatsen om subtiele nuances in mijn beelden te brengen. Het zou dan ook de eerste keer niet zijn dat ik de dag na een shoot nog even terug naar een locatie moet, omdat ik er eentje vergeten ben. Goed, we gaan stap voor stap gaan. Dus ik ga eerst de omgevingsbelichting is deze hier. Ja, dus dat ziet er goed uit. Sowieso met een camera zoals in deze kan je eigenlijk alle kanten uit. Dus ik fotografeer nu gewoon in eigenlijk een filmsimulatie. Eterna is dat. Wat eigenlijk vooral voor filmmensen bedoeld is, maar ook voor fotografen vind ik dat handig omdat ik op mijn LCD een hele zachte, contrastarme weergave krijg. En die Eterna is een hele goede benadering van het bereik dat ik heb in mijn RAW. En dan kan ik daar achteraf nog schaduwen gaan optrekken. Ik werk op ISO 100 in dit geval, dus ik heb heel veel recuperatiemogelijkheden zonder dat ik details verlies, zonder dat er ruis in komt. Als het kan, daar zo tegen de muur, dicht tegen de muur, en dat hij in die richting schijnt. Want zij gaat eigenlijk staan in de opening van de deur hier. Hier gaat het model staan, hè? Ja. Ja. We gaan hier ook nog een last curve opleggen, hè, dus. De autofocusmogelijkheden van camera's met grote sensoren zijn normaal heel beperkt. Maar de GFX 100S is een mooie uitzondering daarop. Niet alleen is de autofocus accuraat in moeilijke lichtomstandigheden, maar je hebt ook een uitgebreide range aan manual focus hulpmiddelen zoals focus peaking en zelfs een digitale scherptediepteschaal. Ja, dat is even goed met de rookzaal. Een camera die 102 megapixel aan kan, is maar de helft van het verhaal. Ook de lenzen die je erop zet, moeten die taak aankunnen. De GF-lenzen zijn hierop berekend en het resultaat is dat je als fotograaf beloond wordt met haarscherpe foto's die elk fijn detail en elke nuance tonen. Flitslicht op locatie kan er soms een beetje te clean uitzien. Hier gebruik ik dan ook een accessoire om met een flitser toch een organisch, natuurlijk ogend lichtpatroon te creëren. Oké. En misschien nog een stapje naar voren, anders groeit daar precies zo'n ding uit je hoofd.
De menustructuur van de GFX 100S is heel eenvoudig en overzichtelijk. En wat ik vooral leuk vind, is dat er aparte menus en voorinstellingen zijn voor foto versus video. En heel handig zijn de configureerbare sneltoetsen en natuurlijk ontbreekt ook een touchscreen niet. Ik zag hier die mooie natuurlijke lichtinval en dan hebben we wat geëxperimenteerd met wat rook toe te voegen, omdat hoe meer rook en partikeltjes er in de lucht zitten, hoe meer dat die lichtstralen eigenlijk ja, echt zichtbaar zijn op de foto. En dan heb ik ook nog wat flitsers toegevoegd om toch nog wat meer pit in de foto te steken en ja, ik ben wel blij met het resultaat. Ik werk graag met dansers omdat ze all the way gaan. Ze geven zich 100% tijdens een shoot en dat past gewoon als gegoten bij de 100 megapixels van deze camera. Voilà. Quel merveille. Des images la très, caméra, très belles. Oui. aussi les images. Pete, est-ce que tu peux nous montrer quelques images séparées oui. Et en dire quelques mots en plus de quelques de tes images préférées? Oui, bien sûr. Attends, je dois changer à nouveau. Donc, ce sont quelques-unes des images que vous avez. Vous avez vu donc probablement mon image préférée c'est celle-ci donc là j'ai mis trois flashs, il y a un flash à gauche, un derrière le modèle et puis donc ce que vous m'avez vu faire c'est j'ai mis un troisième simple flash Cobra dans cette armoire là pour que ça donne la lumière comme ça sur la robe ici, mais juste pour de nouveau pour vous montrer donc la tête du modèle ici, je crois si on mesurait ça en sur la surface totale, c'est peut-être je ne sais pas un centième, 1%, c'est peut-être un mégapixel sur ces 100, mais quand je zoome là-dedans vous voyez la netteté, la qualité, c'est vraiment incroyable. Aussi le détail que je peux récupérer ici, c'était presque tout blanc, mais je peux encore tirer du détail. Aussi des ombres, je ne sais pas si j'ai le fichier original avec moi ici, mais sinon, parce que j'ai une tendance à sous-exposer. Donc, voyons si je l'ai ici. Ah non, je n'ai que les edits, apparemment. Peut-être ici. Non, je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas vous montrer l'image de base, mais c'était vraiment beaucoup, beaucoup plus sombre. Et donc, j'ai fait, je crois, plus d'eux en exposition et ça marche parfaitement. Donc, là, par exemple, même chose. Oups. Donc, il y a un flash à l'extérieur qui fait de sorte que les petits carrés dans le vitre, ça fait comme ça. Ici, de nouveau, il y a un petit flash caché là-bas. Et de nouveau, mon sujet est assez petit. Mais donc, l'avantage est que je peux facilement, aussi de cette photo-ci, je peux facilement recadrer ceci comme ça par exemple, tu vois, et
supposons que j'ai besoin d'une image verticale pour un magazine ou quoi que ce soit, eh bien, j'ai encore, voyons, plus de 50 mégapixels qui me restent. Là, c'est le grand avantage pour moi. Même chose avec celui-ci, par exemple, si je veux le recadrer en 16:9, parce que je sais qu'il va être montré dans ce format-là, ben, il me reste encore quelques 70 mégapixels. Hein. Ça aussi, c'est mon autre image préférée. À nouveau, pour pouvoir tirer encore du détail ici dans ces zones-là, dans ces fenêtres, ça, ici, dans la jupe, dans la robe. Et là aussi, tout ça, c'était presque complètement noir, mais j'ai réussi à sortir pas mal de détails là-dedans grâce à la dynamique du capteur. Pete, est-ce que je peux te demander une question ensuite concernant la photo précédente? Oui. Tu peux répondre. La lumière que tu as créée là à l'intérieur, c'était du fumé et aussi un flash à l'extérieur ou bien c'était de la lumière naturelle? C'est les deux, en fait. Donc, les rayons qu'on voit ici, c'est vraiment la lumière naturelle. Et comme je dis, je crois, dans la vidéo, quand on ajoute un peu de fumée, les particules de fumée avec la lumière, ça donne encore plus et ça renforce les rayons. Mais alors, la lumière n'était pas tellement forte. Et donc, quand je posais un modèle là-bas, je n'avais pas la qualité de lumière sur son visage que je voulais. Donc, ce que j'ai fait, en fait, et je fais ça pas mal de fois, je travaille beaucoup sur trépied. Donc, il y avait un flash ici qui était orienté vraiment sur mon modèle. Et donc, mais qui avait la même direction que la lumière naturelle. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé ce flash et puis j'ai fait une deuxième photo où j'ai enlevé le flash de sorte que j'avais cette zone d'image aussi. Et puis, en Photoshop, j'ai travaillé avec un calque et j'ai effacé, pour ainsi dire, le flash de cette image pour en faire une image combinée où j'ai la beauté de la lumière disponible, mais je l'ai augmentée un peu avec un flash très directionnel parce que la lumière disponible ne me donnait pas ça sur le visage de mon modèle. Voilà. Très grand merci. Entre-temps, j'ai le nom du gagnant. Mais je vais l'annoncer après la troisième vidéo. Oh, les pauvres. Ah oui, mais c'est bon, c'est pour que les gens continuent à regarder. Évidemment, okay. Oui. On peut continuer avec la deuxième vidéo. Tu peux choisir bien Pete ou bien Peter. Tom ou Peter. Je vais peut-être prendre Tom parce qu'alors Peter, ça fait un suivi assez logique vers la fin. Donc, parce qu'il est aussi le modèle, le photographe du troisième vidéo, cela sera le modèle sur la petite démonstration de post-processing. Donc, vidéo de Tom maintenant. Ik had zitten denken, misschien zou het wel leuk zijn om die bandana alles in haar haar te doen. Misschien die met die vans zou het wel leuk zijn. Ja. Ik zou voor wat sfeer gaan. Ja, en de bovenste nog een beetje toe. Ook wel, ja. Oké, een klein beetje meer contrast. Is er? Ja, ja, akkoord, maar. Ja? Ja, tweede. Oké. Perfect. Ella, heb je zin erin? Ja. Had je nu gezegd van nee, dan had ik eigenlijk een probleem. Dan ga ik daar gaan zitten als model. Misschien kunnen we dat eens proberen. Dus ga eens naar de camera. Nee? De bedoeling gaat straks zijn dat je hier zit
Hey, dat is wat chill. En als ik bijvoorbeeld zeg tegen jou straks, uw schouder iets naar voren, ja, dan mag je kiezen welke een. En als je de verkeerde doet, dan ga ik zeggen een ander. Dan kunnen we niet missen. Hey, moet je gewoon doen wat ik zeg. Okay. Dat is het makkelijkste. Ja. Hey, ik ga ook luisteren naar jou. Als jij zegt, Tom, doen we eens een dansje, dan ga ik dat doen. Ça va? Ja. Gaan we beginnen? Ja. Oké. Okay. Ik ben Tom Museo. Mijn werk bestaat hoofdzakelijk uit het fotograferen van kinderen en tieners. Jippa! Kijk nu eens naar je mama. Ja, stik eens je tong uit naar je mama. Zoals om te lachen. Bij het fotograferen van kinderen is het voor mij van groot belang dat ze ook meteen een goed gevoel hebben. En dat ze weten dat ze een belangrijk deel gaan uitmaken van het team die dag. Dit zorgt ervoor dat ik steeds de volle aandacht van hen krijg. Ik hou ervan om naast de klassieke portretten ook beelden te maken waarbij het niet altijd duidelijk is welke emotie het kind toont. Meestal zijn dit ook de beelden die bij een breed publiek veel aantrek hebben. Wow! En toen was er gigantisch veel licht. Staat er nu in beeld? Spelen met het licht is voor mij altijd een manier geweest om mijn fotografische stijl door te drukken in mijn beelden. Ik probeer hierbij steeds een evenwicht te vinden tussen het aanwezig licht en het licht dat ik toevoeg. Dat is misschien dat er beter. Voor de fotosessie met Ella heb ik een leuke binnenlocatie gekozen. Bar Provisoire in Torhout. De structuur van de achtergrond in deze locatie heb ik geaccentueerd met toegevoegd licht. Nu zat hij perfect. Is goed zo. Voor het hoofdlicht heb ik tijdens deze sessie bewust zacht licht gekozen, omdat ik zo het contrast tussen Ella en de ruwe achtergronden wou versterken. Oké, maar wat meer zo draaien. Dus naar de... Ja. Ja. Ja, nog. Zo blijven. Ja, perfect. Het voordeel van het GFX-systeem is dat het wel een zeer ruim dynamisch bereik heeft. En zeker in dit soort opstellingen, omdat ik werk met continu licht, ik ga eigenlijk bewust wat onderbelichten. Ik zeg niet dat je 4 stops onderbelicht, maar toch makkelijk een stop onderbelichten. Dan heb ik winst in mijn sluitertijd. En dan ga ik er eigenlijk ook wel voor zorgen dat in nabewerking dat ik makkelijk de stop of die 2 stops naar boven kan krijgen. Ik heb echt die zekerheid in deze camera dat het dynamisch bereik dan mij toelaat. Kinderen reageren vaak op de klik van de camera. De stille sluiter van de GFX100S heeft mij aangenaam verrast. Dit laat mij toe om een foto te maken van het kind zonder dat het hoort dat hij reeds gemaakt is. Gewoon door het feit dat we daar een klein beetje rook op de achtergrond hebben gebracht, creëren wij eigenlijk veel meer licht. Als ik nu kijk, dat scheelt soms 2 stops. Zit jij nog goed? Ja. Ik ga mijn filmsimulatie standaard zetten. Ik ga daar niet te veel saturatie. Hij stond eigenlijk nog op Vilvia. En als ik nu kijk, dan heb ik eigenlijk zeer natuurlijke kleuren. Als ik buiten fotografeer, gebruik ik meestal een paneel om het licht te reflecteren. In een binnenlocatie verkies ik continu ledlicht. Het grote voordeel van beiden is dat je meteen ziet welk effect het licht heeft. In combinatie met de Fujifilm-camera's is het een groot voordeel, omdat je in de zoeker of op het scherm het beeld ziet voor je het maakt. Wat vind je ervan? Ja? Vind je hem ook mooi? Oké. Ik ga nu daar proberen op te zetten. Mm-hmm. Dus een hond dat kleed dresseren. En we moeten mijn been terug. Jawel, ik ga dat minder bekijken. Minder. Oké, dan mag je 2 handen weer naar voren brengen. Ja, terug zo. Dan mooi recht zitten. En nu mag je hoofd een klein beetje draaien.
En dus je mond en je neus iets meer in de richting van het licht. Ja, perfect. Voilà. Oui, j'étais donc, en train de répondre de oui. sur quelle question. Oui. Donc, un genre tout à fait différent, mais hyper beau, bien entendu. Et j'étais là comme assistant. Donc, on était tous les trois, on était les deux qui ne photographiaient pas, étaient les assistants de celui qui photographiait. Et Tom travaille donc à la lumière disponible et peut-être qu'on peut regarder un peu plus en close-up quelques-uns de ces images. Oui, voilà. Ah, donc ça c'est... Donc je crois que... Ah, là, oui. Je crois que ceci c'est à ISO 800 parce que comme il travaille à l'éclairage continu, j'ai pas les métadonnées, mais je crois que c'est bien ça. Il grimpe un peu plus vite en ISO que moi qui travaille au flash et qui reste souvent plutôt à ISO 100 ou ISO 200. Je crois que tout a été fait ici avec le 80. Et regardons à nouveau la netteté. On voit ici le... Il travaille aussi avec des panneaux de réflexion. Donc, on voit ici le panneau de réflexion dans les yeux du modèle. Donc, voilà. Une très belle distinction entre le modèle et l'arrière-plan. Oui, hein? oui, tout à fait, tout à fait. Bokeh, ou bokeh, ou... bokeh, comme on dit. Oui. Donc, okay. Peut-être qu'on passe au dernier vidéo et oui. C'est celui de suspense monte. Oui. Donc là, il faut peut-être dire que Peter a photographié, donc comme normalement, c'est donc un photographe de foot, mais il photographe en général soit des chefs, soit des plats. Mais là, il a photographié ce qu'on appelle un bekende Vlaming, un flamand connu, et c'est quelqu'un qui n'est pas un chef lui-même, mais qui apprécie beaucoup les chefs, mais qui aussi aime bien la nourriture dans toutes ses dimensions, du 3 étoiles jusqu'au steak frites et même plus banal que ça. Et ce type, il s'appelle Bucky the Rapper et il est très connu en Flandre. Je ne crois pas qu'il est connu en Wallonie, mais n'empêche que vous aurez très, très... Je crois que tout le monde connaît un Bucky the Rapper, un de ces types. Et donc, Peter a vraiment fait un peu... il a mis la septième vitesse. Il a fait des trucs assez drôles et bizarres à la fois. Et donc, on va terminer avec celui-là. Et puis, ce qu'on a fait lors de la séance en live, il y a 3 semaines, là, on a aussi fait quelques photos de Peter. Et je vais finir par vous montrer un edit en live en Lightroom avec ces photos là. Mais voilà, donc passons aux vidéos de Peter. Rires.
Ik ben Pieter Doop en werk voornamelijk als culinair fotograaf. Ik werk altijd op locatie waar in beperkte ruimte een kleine setting opgebouwd wordt. Voor deze opdracht wou ik eens het tegenovergestelde doen. Een grote opstelling en beelden die conceptueel sterk in elkaar zitten, maar waarbij eten toch nog een belangrijke rol speelt. Door gemeenschappelijke passies, interesses en onkels kwam ik in contact met Bokkie de Rapper. En eigenlijk op die manier was het idee ontstaan om daar iets mee te doen. Uiteindelijk is dat eten gerelateerd, maar op een iets andere manier. En het leuke is dat er een keer een beeld kon gemaakt worden waar er een hoek vanaf was. Of meer dan één hoek. Ik zal hem al mee geven. Hey, dat is met kleurtjes in dat menu. Het plan is eigenlijk om het oude statieportret, zoals dat vroeger was met die molensteenkragen, van dat eigenlijk opnieuw te gaan maken. Maar dan wel foodgerecht. En daar dan eigenlijk een beeld Rembrandt-stijl van licht mee te maken. En dat zijn we nu allemaal aan het klaarzetten. Pieter, ik vond het top, echt waar. Ja. Top. Shit, maat, die fucking ridder. En nu hopen dat je niet te dik zijn, hè. Daar, hoofd. Ja, arm hoog. En dansen. Ja. Ah. En het uitkleden is moeilijker. Ah ja. Het is hier avontuur na avontuur na avontuur. Ja, het voordeel van de GFX 100 is natuurlijk die 100 megapixel, waardoor je eigenlijk ongelooflijk veel details kunt zien. Zeker dat is een ingezoomd beeld. En als je dan kijkt naar het uitgezoomde beeld en alle details die hier nog altijd in zitten, dan is het eigenlijk uiteindelijk wel heel indrukwekkend om te zien. Wacht, hè. Goed. Is de voet eruit nu? Shit. Ja jongens, het gaat niet altijd serieus zijn vandaag. Die frikadellen. Goed, maar dan heb ik het. Ik ben een beetje weggeleid. In de laatste tijd heb ik een reeks gemaakt met eten en eigenlijk een foodporn reeks. En terwijl ik aan het brainstormen was, dacht ik van, goh, misschien moeten we daar ook wel een keer op die manier iets mee doen. En eigenlijk is het van daaruit ontstaan. Goed, wacht, hè. Ja. Zeker geslaagd. Can't stop. Net het tegenovergestelde doen dan wat ik normaal doe, zorgt opnieuw voor uitdagingen en kansen. Veel flitsers gebruiken, grote lichtomvormers, sets uitdenken en opbouwen. Ik had een hele reeks beelden in mijn hoofd zitten en kon er maar enkele selecteren om uit te werken. Gelukkig geeft de GFX 100S veel features die me konden helpen mijn beelden tot leven te brengen. Een van de grote voordelen van Titter te werken, is dat je beelden rechtstreeks kan importeren op je computer. Om zo een betere controle te hebben op wat je aan het creëren bent. De grote keuze aan scherpstelpunten zorgt ervoor dat je altijd juist kunt focussen. Je merkt bij het inzoomen dat alles mooi scherp is en je ziet alle details die in het beeld van de GFX 100S te vinden zijn. De kozen van vorige zondag, de sushi is van de 16e van mijn verjaardag. Dat is van vorige week zaterdag. Weer iets met een hoek af en eigenlijk gewoon een scène maken van iemand die
die graag eet op een plaats waar hij relaxed en ontspannen is. En wat drinken, chillen, relaxen en ondertussen een hapje eten. Het voelt toch wel wat dikker in het bad. Voilà. Une petite différence avec les précédentes. Oui. Un peu plus en fond, on en a mis peut-être, mais bon. Mais je vais aussi passer à montrer quelques photos un peu plus. Celle-là, je trouve elle est vraiment géniale. Et juste pour vous montrer à nouveau le détail, c'est... Ça, c'est peut-être pour moi la chose la plus que j'aime le plus avec le système GFX, c'est que j'ai toujours un sentiment de joie quand je fais un zoom à 100% dans les images. Par exemple, comme ceci, c'est quand même un détail tout petit, mais quand on zoome là-dedans, on voit vraiment la plasticité de ce vin qui coule. Et c'est super. Ici aussi, on a la petite saucisse et on voit le détail dans le sandwich. Mais alors, on a aussi le détail dans la barbe, même trop de détails peut-être. Et là, ça c'est un très bel exemple que et on n'a pas fait express. Mais ici, quand il était en train de faire un clean-up de l'image, il y a donc une moustique. Et donc, ça, ce n'est que des appareils comme le GFX qui peuvent, qui ont une résolution qui peut faire ça, bien entendu. Ici aussi, comme c'est ce look un peu Rembrandt, et alors quand on zoome à 100% de nouveau, on voit peut-être trop de détails même, mais ici aussi, j'aime beaucoup cette image pour montrer à nouveau le détail dans l'épée, dans les saucisses, mais aussi c'est incroyable, je trouve. Et c'est peut-être un peu bête pour le dire, mais depuis que je travaille avec un GFX, je trouve que moi-même que la qualité de mes photos a augmenté. Il y a ceux qui disent que ça ne fait pas de différence, ce n'est pas l'appareil qui fait la photo. Mais personnellement, pour moi, c'est comme si je sens que je le dois quelque part à l'appareil de l'utiliser pour des photos quand même un peu plus haut de gamme, peut-être, je ne sais pas. Enfin, j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, ça a fait une différence. Et peut-être, je ne sais pas s'il y a encore des questions d'ailleurs. Pour le moment, on n'a pas eu des questions. On a eu une question que j'ai répondu déjà. Okay. Mais je pense que c'est bien le moment de montrer une fois la façon que toi tu travailles tes photos. Très bien. Je vais un peu montrer ça. Je vais d'abord passer. Il vient de s'éteindre. C'est ce que je croyais que j'entendais. Donc, voilà. OK. Donc, je vais passer vers le partage d'écran plus tard, mais j'aime travailler comme si, donc, avec
C'est un écran qui est aussi une tablette graphique. Et donc, par exemple, notre cher ami Peter, il a posé pour Tom aussi. Et ceci, juste pour vous montrer un peu, c'est une image qui est donc fortement sous-exposée. Et je vais une fois passer au partage de l'écran lui-même. Et donc, juste pour vous montrer ce qu'on peut encore sortir de ça. Donc, je vais aisément faire plus 2,5 en exposition. Et peut-être encore un peu les ombres. Et alors là, on voit que ça marche vraiment, donc plus 2,5, plus 40, et j'ai vraiment une qualité. Donc, on peut vraiment sauver presque n'importe quelle image avec un GFX et qui est capturée avec un GFX. Il y a il y a beaucoup de moyens de récupérer des détails dans les ombres, comme on le voit ici. Donc, je viens d'ici, c'est tout à fait, c'est noir, hein? Et donc je peux sortir tellement de détails encore sans qu'il y ait du bruit perceptible. Alors, mais ça, c'était une photo qui était fausse. Alors, ce que on a fait pour faire un peu spécial, Peter avait encore un sépia comme celui-ci et il a mis sur sa tête et Tom on a fait une photo. Donc, je vais d'abord un peu recadrer comme ça. Et maintenant, donc, ce que en général j'aime faire, c'est les gens le demandent parfois. Donc, on parle beaucoup de simulation de films de Fujifilm, et c'est vrai que c'est important. Mais moi, je vais rarement les choisir en caméra, comme je dis dans ma propre vidéo. En fait, ce que je fais, c'est que je travaille presque toujours en Eterna, parce que c'est une simulation de film qui est très légère, qui est très peu contrastée, et ça me donne un aperçu un peu comme si je travaillais en RAW. Parce que ce qu'on voit sur le derrière de son écran, donc de son LCD sur sa caméra, c'est toujours... C'est la simulation qu'on a mis dans la caméra. Donc, par exemple, si je mettrais ma caméra en Velvia, l'image que je verrais sur l'écran, ça serait le look Velvia, mais c'est aussi beaucoup plus contrasté, beaucoup plus saturé. Donc, je risque de changer mon mode d'exposition, de peut-être exposer un peu plus court parce que je trouve que ça va brûler les autres lumières. Donc, pour moi, je préfère travailler en mode Eterna. Mais l'avantage, c'est le Eterna, c'est pas mon look préféré parce que c'est beaucoup trop peu contrasté. Mais alors, par après, on peut changer tout ça, parce que si on photographie en RAW, en Lightroom et aussi en Capture One d'ailleurs, on a les Camera Matching Profiles, et là, on peut donc facilement appliquer par après toutes les simulations de films. Par exemple, j'aime assez bien le Classic NEC de nos jours, donc mais le Classic Chrome, tous ceux, ils sont à disposition, et donc on peut choisir celui qu'on veut. Et Adobe a donc un peu simulé les simulations de films de Fujifilm. Donc, pour maintenant, je vais peut-être prendre le Classic NEG. Et alors, ce que je vais faire, c'est booster un peu les shadows, reprendre un peu la lumière. Et puis, je vais prendre mon pinceau et je vais... Et ça, c'est l'avantage de travailler avec une tablette graphique, que ça
c'est sensible à la pression, donc je vais rendre ça un peu plus sombre, et puis je vais peut-être rendre le visage un peu plus clair, parce que je veux quand même que, et la barbe aussi, qu'on voit un peu des détails dans la barbe. Ok, et puis ce que je vais faire encore, c'est un peu de dodging and burning sur le sépia lui-même. Ça s'appelle un sépia en français, je ne sais pas, franchement. Donc, exposure, donc. Donc, que ceci, ça ressort un peu plus comme ça, et puis encore un autre, et là je vais les parties sombres donner encore un peu plus de contraste ici, voilà, ici, et peut-être encore un filtre radial sur les yeux, mais à l'envers, comme ça, ok. Voilà, et je crois que c'est... Et alors, bien sûr, j'aime bien jouer avec la clarté, donc ajoutons encore un peu de... Oups. Et donc, l'avantage de Lightroom, c'est que, bien sûr, donc on vient de là. Et les fichiers du GFX50, 100S plutôt, ils supportent tout ça. Donc, on peut vraiment aller très, très loin dans le post-processing. Par exemple, j'ai aussi quelques profils que j'ai créés moi-même, que j'aime parfois essayer. Donc, au lieu du Classic Neck, par exemple, ce sont ceux-ci. Voilà, donc ça donne un look tout à fait différent. Par exemple, j'aime assez bien celui-là, le Dakota. C'est très, c'est un peu inspiré par les séries qu'on a sur Netflix et tout ça. Mais c'est un peu trop fort, je trouve. Mais l'avantage des Creative Profiles comme ceci, c'est qu'on a un régleur de volume et on peut baisser la puissance de cet effet, par exemple à 50% ou à 40%, tu vois. Et donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est juste, mais l'avantage de Lightroom, c'est qu'on peut facilement, grâce à des copies virtuelles, et ça existe aussi en Capture One d'ailleurs, mais on peut expérimenter avec des différentes... façon d'éditer la même image. Voilà. Ici, j'ai un peu plus de détails dans la barbe. En fait, c'est pas un cours de Lightroom, bien entendu, mais voilà, juste pour donner une idée, surtout de ce qu'on peut sortir encore. Et c'est là que pour moi, un peu la joie commence, c'est en post-production, c'est que je peux faire presque n'importe quoi avec un fichier du GFX. Et ça, c'est joli. Oui, merci. J'ai encore une petite question avant que je vais finir l'ensemble. Robert Cott qui a demandé qu'est-ce qu'on est du moiré avec cet appareil. Qu'est-ce qu'il y a? Concernant le moiré. Moiré. Oui. J'ai eu... Le moiré, c'est une question de la distance qu'on est du sujet. Et je crois que dans les... dizaines, des milliers de photos que j'ai prises avec les GFX, je crois que j'ai eu deux ou trois
cascade de moiré vraiment perceptible, mais alors du moiré, on peut l'avoir avec toutes les caméras. Et il y a des filtres anti-moiré. Lightroom en a un qui est même localisé, de sorte qu'on peut vraiment travailler sur, sur le moiré d'une façon locale, de sorte qu'on ne détruit pas trop la qualité d'image dans le reste de l'image. Donc, c'est, pour moi, ce n'est pas un grand problème en tout cas. Et si ça existe et on travaille en, par exemple, en mode connecté avec un ordinateur, sachez qu'il suffit parfois de changer sa distance un petit peu ou de son angle et on peut déjà résoudre en caméra une grande partie du problème de moiré. Merci, Pete. Bon, je vais faire le point de la caméra. Et n'oublie pas d'annoncer le gagnant aussi. Hein? Oui, oui. Tout juste, okay. Je vais faire ça tout de suite après le round-up de la caméra. Alors, la caméra, c'est un appareil à 102 mégapixels, comme seulement un boîtier grand format peut faire. Le système autofocus est très puissant, même dans les conditions de lumière très, très faibles. Ça, on a vu. Le système compact de 5 axes in body stabilization avec 6 stops de réduction des vibrations. Une très haute performance dans un boîtier très compact et robuste. Et l'utilisation très intuitive pour une expérience qu'on est habitué. Et le système grand format fait du vidéo en haute qualité jusqu'à 4K en 30p. Plus d'infos, on va vous donner sur les liens qui vont suivre. Et maintenant, je vais annoncer le gagnant. Et le gagnant, c'est... Attends, encore une seconde, parce que je vois que j'ai oublié une question que je devais poser au début du webinaire, mais je vais la faire maintenant, comme on a encore l'attention des gens. Si vous voulez juste vite nous donner, ça va durer qu'une seule minute, la marque de votre caméra. Ça n'a rien à voir avec le fait de gagner ou de ne pas gagner, mais c'est juste pour nous, on aime bien savoir. Donc, quelle est votre marque de caméra que vous utilisez? Pour le moment, on a déjà une réponse. Et c'est 100% Fujifilm. je ne vais pas trop en dire pour le reste. Mais on a pas mal de spectateurs Fujifilm qui sont déjà clients chez Fujifilm. Vous avez encore 13 secondes pour répondre. Pour répondre, oui. Et 4... 3, 2, 1. Alors, Ioannis, maintenant, tu peux vraiment dire qui a gagné le prix. Alors, le gagnant, c'est Peter Ortmann. Peter Ortmann, il va recevoir dans son boîte un message. Demain, il va avoir la confirmation. Et après, vous pouvez régler vous-même pour le rendez-vous de la workshop. Enchanté, Peter. Bon. On va faire un joli workshop ensemble. Parfait. Bon, il me reste à vous remercier pour rester avec nous. Je vais aussi remercier Tom Museo, Peter Dope et Piet van der Ende pour nous présenter leur travail et de nous montrer tout ce qu'on peut faire avec ces appareils et l'objectif. Dans la suite, on va vous présenter la sales page. Là, on va vous présenter la spécification du GFX 100S, la page de produits de GF 80 mm, aussi le blog post de René sur les tailles des capteurs, ainsi de suite que les promotions GFX, et le bonus et les réductions sur les objectifs, et le leasing plan. Et on vous demande fortement de répondre sur la page d'évaluation. Ça nous fera un très grand plaisir.
Alors il me reste si de terminer. Si l'évaluation est bonne quand même, si elle n'est pas bonne, ça ne nous fera pas trop de plaisir, mais quand même. Soyez honnêtes, parce qu'on veut toujours savoir comment on peut améliorer ces webinaires, bien entendu. Et donc, voilà, reste à moi-même aussi que de vous remercier pour votre attention. Et à la prochaine. Et merci d'avoir nous écouté aussi longtemps. Au revoir et à plus tard. Au revoir, ciao. Merci. Ciao, ciao. Ciao.